Bonjour et bienvenue, je suis Antien Zéro. Aujourd'hui nous allons faire un nouvel épisode de No Man's Sky. Et oui, nouvel épisode pourquoi? Parce que c'est un let's play que j'avais commencé il y a très longtemps mais que j'ai arrêté parce qu'il était pas génial, faut dire ce qui est. Mais le jeu a plutôt bien évolué maintenant. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas relancer tout simplement notre partie sur No Man's Sky. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans No Man's Sky? On va continuer notre quête, hein, tout simplement faire le chemin d'Atlas, tout ça, voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Nous allons sans doute aussi explorer les nouveaux gameplay, je suppose, pendant nos quêtes et tout ça. À savoir que le jeu a très bien évolué, même beaucoup évolué, hein, depuis No Man's Sky de base, qu'il était vraiment complètement... On va pas se miner la voile, c'était complètement à chier, il faut dire ce qui est, No Man's Sky, voilà quoi. Mauvaise réputation à sa sortie, avec tout ce qui était prévu et ce qui n'est pas sorti et tout ça, enfin bref. C'est sorti à peine maintenant, nous sommes maintenant en 2019... Non, 2018, pardon. Si je me trompe pas, c'est 2018 ou 2019 on est là. Oh, je sais plus. Alors. 2019, oh, donc c'est ça, premier truc est ok. Excusez-moi. Hein. Nous sommes bien en 2019. Voilà, donc le jeu était sorti en 2016. Voilà, je me suis justement mêlé les pinceaux et tout ça. J'ai dit 2018, mais non. Donc le jeu était bel et bien sorti en 2016. Et nous sommes en 2019. Voilà. Désolé. mais bon, ça arrive. Donc comme je disais, le jeu a beaucoup évolué, bah déjà on peut changer notre caractère, comme vous pouvez voir mon personnage là est un Corvax, nous pouvons voir d'autres personnages bien évidemment, on peut changer leur apparence et tout le bordel, on a vraiment un système d'exploitation du personnage plus intéressante du fait que bah, nous pouvons créer notre personnage tout ça, donc voilà, on peut mieux exploiter notre personnage pour diverses raisons, même les trucs inutiles comme... Voilà, tu vois, on peut exploiter notre personnage en faisant ça. Donc, voilà. Alors, le jeu, comme je vous ai dit, a très bien évolué. On a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées. On peut avoir des vaisseaux mers, on peut avoir des bases, on peut avoir des véhicules terrestres. J'en ai un qui est là-bas. On peut avoir plusieurs choses intéressantes. Le système de craft est exactement le même. Ça n'a pas beaucoup évolué par rapport à ça. Nous avons les technologies ici, la cargaison qui est là, mais je sais pas trop ça sert à quoi la cargaison vu qu'on n'a aucun truc sur la cargaison. Les unités, bien sûr, ça c'était déjà. Les amas de Nanis, ça c'est une nouvelle unité qui a été ajoutée, ainsi que le vif d'argent qui a été lui aussi ajouté. Le vif d'argent c'est pour des récompenses spéciales quand vous faites une quête ou quoi que ce soit, vous gagnez des vifs d'argent. Et vous pouvez acheter des décorations ou des animations et tout ça pour votre personnage. Donc voilà. Donc là vous avez tout simplement vaisseau, multi-tool, Exonef. Donc là nous sommes hors portée bien évidemment, mais vous pouvez voir comment Exonef, il y a ça dedans. Et vous avez aussi le cargo, qui est lui aussi un truc qui a été ajouté. Très intéressant. Où nous pouvons faire des missions d'expédition. Hein. Donc voilà. Alors du coup là vous avez bien sûr le catalogue de tout ce qui est les ressources, donc on peut voir il y a encore des ressources que je ne connais pas. Et il y en a encore quand même pas mal, hein. Il y a encore ça, je sais pas c'est quoi non plus, on dirait genre de... Je sais pas c'est quoi. Encore des trucs un peu inconnus on va dire dans le jeu. Là vous avez tous les équipements qui sont fabricables, encore une fois il y a beaucoup de choses que je ne peux pas fabriquer parce que je ne connais pas les schémas ou quoi que ce soit, mais vous pouvez voir que là, voilà, nous pouvons fabriquer des trucs. L'acide, ok pourquoi pas. Nous avons aussi le système d'équipement, donc là vous avez tout le codex de l'équipement qui a été débloquable si vous avez bien sûr découvert, hein, parce que comme vous pouvez voir il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas actifs. Ça ce sont les sonars pour le Xenonef, c'est bizarre qu'il n'apparaît pas alors que j'en avais construit un normalement. Donc vous avez diverses choses. Ça c'est quoi?
Propulseur Humble. Ah, c'est ouais, c'est pour le Xenonef. Ok, et le sonneur super puissant. Ok, très bien, donc ça n'a pas la même apparence que ça. Vous avez les technologies construites, donc là encore une fois, bâtiments et tout ça. Il faut savoir que dans le jeu, maintenant, nous pouvons construire des bâtiments. Voilà, encore une fois, là vous avez encore les pièces détachées qui sont tout simplement les pièces détachées de bâtiments que vous pouvez débloquer via des plans, donc en faisant des recherches sur les planètes pour récupérer les ressources. Et après vous pouvez utiliser ces ressources-là pour tout simplement débloquer des plans, soit au Nexus, soit avec votre ordinateur de recherche. Là vous avez les marchandises que vous pouvez tout simplement revendre. Voilà. Les curiosités, donc ça ce sont les trucs naturels que vous pouvez récupérer. Comme vous connaissez déjà les effigies vikings, Valking, les... Il y a quoi aussi le truc de base qu'on connaît? Voilà, le relique, la relique geek. Je crois que ça c'était déjà aussi le corps, le cube vortex. Donc voilà, on peut voir, il y a encore plusieurs curiosités, les produits culinaires maintenant, oui, parce qu'on peut construire des trucs pour les animaux. On peut maintenant adopter des animaux et même les monter. Arc, nous voilà. Mais nous pouvons aussi nous construire à bouffer pour nous-mêmes. Et là vous avez les glyphes de portail, parce qu'il faut savoir qu'on peut utiliser la porte des étoiles via des glyphes comme celle-ci, que nous avons bizarrement pas du tout, mais bon c'est pas grave. Mais il y a une porte des étoiles que nous pouvons utiliser pour aller voyager, tout simplement. Voilà les étapes clés, bon c'est le truc qu'on a, c'est les relations avec tout le monde, les geeks, voilà vous pouvez voir je suis à fond avec eux, les vikings on est au milieu, les Corvax je suis pratiquement à fond avec eux. Voilà, nous pouvons faire des missions avec eux, système visité et des mots appris. Bon ça c'est un truc classique, après vous avez le guide marchand, donc quoi, c'est en faisant des quêtes quand vous prenez tout simplement les missions, tout simplement dans les stations spatiales, comme pour les mercenaires et comme pour l'explorateur. Vous avez aussi donc le journal pour tout simplement tout ce qui est quête. Ça n'a pas beaucoup changé, je crois que c'était déjà dans l'ancienne version, après ça date à un moment, hein, quand j'ai fait quand j'ai fait mon let's play au tout début, c'était en 2016, et forcément ça date un peu, je m'en souviens plus parce qu'après j'ai plus du tout joué au jeu à part maintenant, très récemment. Et là vous avez le guide qui vous dit comment fonctionne le jeu, avec divers fonctionnalités comme les alimentations pour les bases, ainsi que les recettes, les plans, les matériels, mettre à jour votre équipement, bon, c'est les matériaux que vous pouvez avoir, les découvertes, ainsi que bon, c'est le passé, ça, construction, gagner l'argent grâce au cargo et grâce à la flotte de cargo, les missions extraterrestres et ainsi que les systèmes de combat. Après là vous avez l'option qui est tout à fait classique, hein, voilà, vous pouvez voir qu'on est en mode ultra, et là vous pouvez inviter, qui est une très grande nouveauté du jeu, c'est que vous pouvez inviter des personnes via au menu options et via ici, vous allez ici et vous sélectionnez la personne que vous voulez inviter, par exemple Farlex ou Yutsuya, enfin ce sont mes contacts, hein. Hop, j'ai juste appuyé sur ici et ils reçoivent l'invitation et ils peuvent, oui ou non, venir me rejoindre. On peut aussi rejoindre les parties des autres joueurs si nous sommes près d'eux, donc c'est-à-dire que quand on va au Nexus, la liste de joueurs, elle se met là, à jour, et vous pouvez les rejoindre comme vous voulez, enfin tant qu'ils sont dans le Nexus, et bien sûr s'ils acceptent de venir de pouvoir jouer avec vous, hein. Même si c'est quasiment automatique et que en fait je sais même pas s'il y a une option de dire oui ou non en fait. On n'a jamais utilisé ça. Enfin si, j'ai déjà utilisé mais il n'y a pas cette option. Donc voilà. Voilà, du coup je vais repasser ici, vous avez un petit raccourci pour appeler les vaisseaux, pour changer de vaisseau, oui parce que nous pouvons changer de vaisseau, comme vous pouvez voir là, vous avez deux vaisseaux que j'ai débloqués, pour en avoir quelques-uns grâce au cargo. Vous avez aussi les Xenonef ici et là le petit touche de raccourci pour contacter votre vaisseau, pour l'emmener à un point A, un point B, n'importe où dans la planète. Donc voilà, ça n'utilise pas de module de navigation à part si vous prenez les points de contrôle. Voilà. Mais ça utilise par contre le carburant du vaisseau. Voilà. Du coup, nous allons repasser en mode, hop, FPS. Alors, on a fait le tour. Comme je vous ai dit, on va faire Chemin Atlas, premier épisode. Enfin, plutôt premier épisode. Non, je sais plus à quoi je suis arrêté. Je crois que tu as arrêté à 14, 15, peut-être 16e épisode, je sais plus. Je verrai ça quand je serai sur YouTube. Là, je remettrai à jour tout ça. Et je verrai, parce que je sais même pas si vous avez pu voir cette playlist, en fait. C'est normal, elle était à jour, elle était en ligne. Ouais, je m'en souviens plus, je verrai. Allez, c'est parti. On va prendre mon vaisseau.
Toujours un petit écran noir au début, le jeu a toujours quelques bugs bien évidemment, hein. Le jeu n'a pas vraiment a toujours quelques problèmes, c'est pour ça qu'il y a des mises à jour très régulières d'ailleurs. Les mises à jour très souvent sont très souvent, pas seulement pendant une semaine, il n'y avait que des mises à jour. Hein. Pour vous dire à chaque jour, une mise à jour. Voilà. Allez, du coup c'est parti. Voilà. Alors, bah du coup je vais vous faire montrer la première partie du gameplay du jeu qui est ajoutée bien évidemment. Et tout simplement ma flotte. Et oui, j'ai un vaisseau amiral qui est ici et j'ai toute ma flottille. Un vaisseau de combat, de minage, de scientifique et de commerce. Mais je peux bien sûr agrandir cette liste pour donner encore plus de poids à ma flotte et tout simplement accomplir plus facilement les missions. Alors là, comme vous pouvez voir, vous avez un vaisseau scientifique, un vaisseau de commerce, le vaisseau de minage, si je ne me trompe pas, et le vaisseau de combat qui est caché. Non, c'est le vaisseau de combat, le vaisseau de minage. Voilà, entre les deux, ils se ressemblent un petit peu. Hein. Donc désolé. Donc voilà, cette flottille que vous avez là n'est pas à moi, mais je peux acheter des frégates par contre. Je vous ferai montrer un petit peu plus tard. Mais là, je vais aller ici. Pourquoi? Parce que j'ai une mission à récupérer de mon expédition. Donc il faut savoir que les expéditions sont assez longues selon la distance que vous les donnez. Si vous avez plus de 2000 années lumière ou quoi que ce soit, ça va vous prendre quand même un certain temps avant que la flotte fait l'aller-retour, bien évidemment. Donc il y a un temps réel, bien évidemment. Donc quand le jeu vous dit qu'il dans allez une heure ou deux, ça arrive, bah, ça sera dans une heure ou deux réel où ça arrivera. Si c'est 13h, et bah, ça sera 13h heure réelle, bien évidemment. Alors, donc ça veut dire c'est un peu comme un jeu. Vous savez, les genres de petits jeux tablettes, là, où vous avez un temps pour que ça recharge vos machins, voilà, le temps réel, vous voyez, bah, c'est pareil. Sauf que vous pouvez pas augmenter, vu qu'il n'y a pas d'argent, pour tout simplement acheter les petites énergies pour tout simplement jouer plus longtemps. Voilà, alors du coup, on va au poste de commandement, et on va attendre le compte rendu de la flotte. Ah, commandant de la flotte connecté, on va quand même faire un rapport de mission, calibration du commandant de la flotte. Mikengzos de la frégate M4 Shuguko. Ah, Shuguku. Alors, et pas Goku. Non, Shuguku, c'est une ville au Japon. c'est plus une ville qu'une. Oh, quoi que ça peut être un village. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on prend le rapport. Mon inventaire est plein, bien évidemment. Donc, quand un inventaire qui est plein, le rapport ne peut pas se faire parce qu'on gagne des trucs. Et l'inventaire, c'est bien sûr l'inventaire du cargo. Étrange. Parce que j'ai de la place. Bon, je vais vider le cargo, au pire, hein, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Et je mettrai après. Tac. Hop. 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 La platine, hop. Ouais, parce que ça prend l'emplacement du vaisseau, il suffit que... hop. Hop. Je peux mettre... Voilà, je pense qu'il doit avoir assez. Hop. Voilà. Donc du coup ça se met comme ça. Ah mais je suis crédité. Première vue, je suis crédité. Ouais, j'ai 3000, j'avais 2 millions et quelques. Je suis à 3 millions et quelques. Donc vous pouvez voir, voilà. Là vous avez un compte rendu de ce qui est ce qu'ils ont fait. Hein. Donc vous pouvez le lire. Hein. Et là vous avez les unités. Accélérateur à fusion, on a eu aussi, d'accord. Voilà. Vous pouvez voir à chaque fois ça se remplit parce qu'en fait c'est chaque rapport en fait.
La glace chaude. Ah bon? On a gagné un peu de crédit dessus. Et voilà. C'était plutôt très... C'est intéressant de voir tout ce qui se passait, tout ça. Et voilà. Du coup, on a eu tout ça. Ah oui. Il a gagné quand même pas mal de crédit, hein. Ouais. Et je t'ai crédité directement. Alors, du coup, on a quoi? On a ça qui coûte 166 000 crédits, donc on peut bien évidemment revendre. Et j'ai quoi dans le cargo? Ah oui, en effet, il y a quand même beaucoup de choses. 4! Ah oui, non mais vous avez vu le truc de fou quoi qu'on peut avoir. Très intéressant tout ça. Ok, du coup on va remettre tout ça dans le cargo. Hop! Ici j'ai plus rien qui apporte le cargo. Ici j'ai la ferrite. Je vais prendre bien sûr les tags. Ok, allez, on va vendre tout ça. Et on va commencer notre aventure. Ah oui, alors. Et bien sûr, est-ce que je gagne ça encore? J'ai toujours pas gagné des modules frégates. Je sais pas comment ça marche là. Je fais des expéditions là, mais... voir l'expédition potentielle. Voilà, vous avez le niveau difficulté. Option d'échange, 900 années lumière, 2500. Pourquoi pas. Donc la difficulté en fait, c'est... voilà, plus vous achetez, plus vous allez mettre des vaisseaux. Et plus vous allez avoir la valeur. Comme vous pouvez voir la difficulté, on a une flotte de vaisseaux de difficulté 2 étoiles. Et là aussi, donc là on a 50% de chance de réussir. Et je peux acheter un signal à notre vaisseau. Après on peut bien sûr améliorer les vaisseaux en achetant des vaisseaux bien plus efficaces. Hein. Ça voilà, j'ai que des classes C malheureusement. Pour moi j'ai trouvé que ça. Et il faut du carburant. Alors pour le carburant, est-ce qu'on a de quoi pour faire du carburant? On va faire sur le cargo. Hop. Non, j'ai pas de quoi. Bon bah alors, du coup je pourrais pas lancer l'expédition là. Parce qu'il me faut du dihydrogène que je n'ai pas. J'en ai mais... Non, j'en ai plus du tout du dihydrogène. Il faudra former le dihydrogène les amis. Allez c'est parti. Du coup on va vendre ce qu'on a trouvé. Ce que notre cargo, notre expédition a trouvé. Ce qui va nous donner quand même pas mal de crédit hein, comme vous avez pu voir. Et nous allons tout simplement après partir à l'aventure. Allez. Voilà. La station, elle est ouf. Planète. Mon vaisseau, la station. Thank you.
Et on va vendre ça et on part après à l'aventure, les amis. Alors désolé pour un peu, on a perdu un peu de temps du fait que, mais bon je vais voir ce que je vais pouvoir faire. De toute façon je vais accélérer certaines parties, surtout quand je fais l'échange de cargo, je pense que voilà, on va accélérer ça. Si je l'aurais pas fait, je l'aurais carrément cuté. Allez, du coup on va vendre notre inventaire. Il y en a des choses très intéressantes à vendre, comme ça, 4 millions déjà, ça, voilà. Après on a les dagues, ça, les effigies, le truc dormant, après ce sont des trucs, je sais pas si on peut les trouver, si on peut trouver nous-mêmes, je pense que oui on doit pouvoir les trouver nous-mêmes, je pense, voilà. Ou alors c'est que via au vaisseau, que via aux missions comme ça de vaisseau que vous pouvez trouver les trucs. Donc là vous pouvez voir, je suis déjà à 14 millions, donc voilà, on va dire qu'on a gagné pas mal de crédits déjà rien qu'au truc de commerce. Et en plus tout ce qu'on a vendu là, voilà, c'est juste, voilà, on s'est vraiment bien rempli les poches. Ah oui, la porte étoile qui vous permet de vous téléporter dans tous les systèmes que vous avez visités, tant que vous avez visité bien sûr la base. C'est-à-dire la base stellaire. Une fois la base stellaire visitée, vous pourrez alors tout simplement revenir sur vos bas et revenir sur les stations amicales ou même sur les stations amies des joueurs. Par exemple, ça c'est une base d'un joueur, ça aussi, et ça c'est ma base. Voilà. Allez, du coup, c'est parti. On va partir, hop, hop, et on s'est fait quand même pas mal de crédits, ce qui est vraiment génial. Le vaisseau, bah, très bien, on a ce qu'il faut. On a l'hyperpropulsion qui est ok, la technologie, tout ça est ok. Et bien sûr, on peut y aller. Allez, c'est parti. On a bien sûr 14 millions dans le compte, ça veut dire qu'on peut s'acheter peut-être quelques frégates si on trouve des frégates plus intéressantes. Ou peut-être, pourquoi pas, un vaisseau spatial qu'on peut avoir dans notre collection. Pourquoi pas. Ça peut être exotique. Hein. Parce qu'il faut voir qu'il y a des nouveaux vaisseaux aussi, des nouveaux vaisseaux qui ont été ajoutés. Et ça peut être très intéressant d'avoir un vaisseau vraiment très stylé, vous voyez ce que je veux dire. Parce que mon petit M4 Okinawa, il est mignon, mais il est pas très vieux. Il est pas très récent, je veux dire. Il est plutôt vieux. Un vieux modèle. Je l'avais avant. Non, c'est pas avec celui-ci que je vous ai quitté. Hein. C'est pas avec celui-ci que je vous ai quitté. Je crois que celui-ci, je l'ai eu peut-être après, mais juste avant que je quitte complètement le jeu, quoi. Du coup, c'est parti, carte galactique. Là, vous pouvez voir, vous pouvez faire apparaître le Nexus. Je peux faire apparaître mon vaisseau, bien évidemment, et le Nexus. Là, vous avez bien sûr l'hyperpropulsion. La carte galactique, pardon. Donc voilà, carte galactique. Qu'on peut... On a eu des coordonnées de station spatiale orbitale reçues. Et là, qu'on peut voir. Ok. Alors, on a quoi? On a exploration libre. Le trou noir, je peux visiter un trou noir. Ça peut être très intéressant de voir un trou noir. Non, je sais pas. Et je peux choisir la quête Atlas. Donc du coup, je pense qu'on va aller à la quête Atlas. Même si je pense que le trou noir, ce serait intéressant de voir un trou noir. Ah, le trou noir est en plusieurs arrêts à première vue. Ok. Et le... L'Atlas. D'accord, en deux arrêts. Bah écoutez, on va aller faire ça. On va... J'ai envie d'aller voir le trou noir quand même. Ah, mais le trou noir, il est beaucoup plus loin. Il est à... Trois arrêts. Bah écoutez, pourquoi pas? On va au trou noir, les amis? C'est nouveau, hein. Je connais pas le trou noir, je suis jamais allé. Donc pourquoi pas? Allez, c'est parti, on va pour le trou noir. Allez, du coup, hop, je pense pas qu'on va faire ça en une seule vidéo, les amis, je pense qu'on va faire ça en plusieurs vidéos. Hop. Ok, je vais sélectionner
ici. Hop, hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc bien évidemment les amis, on va faire de l'exploration et tout ça, hein, bien évidemment. Vous en doutez. Hein. Donc. On est dans un système qui est contrôlé par personne à point vue. Ah. Injection de données de séquences reçues. Glyphes. Ah, je reçois des glyphes. Source reçue. Source inconnue. Planète inconnue. On est en train de se faire scanner ou comment ça se passe là? Oh, on se fait scanner en même temps. Ok, bah écoutez, on aura un peu de combat. J'arrive pas, je me fais tirer sur tous les bords, là j'arrive pas à me couper sur les cibles. Ouais, je vais te forcer, je vais te suivre. Hop, 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 hop. Et voilà. Ça s'est bien passé. Du coup, on a une planète squelettique. Ok, pourquoi pas, ça, c'est très intéressant d'y aller voir. C'est quoi toi? Aucun emplacement libre dans l'inventaire du vaisseau. Planète atmosphère pauvre en oxygène, ouais, c'est une lune en fait. C'est une genre de lune ou un truc comme ça. Ok. Et il y a que ça comme planète ou il n'y a que deux en fait hein. Il n'y a que deux. On va voir sur la découverte. Non, il y a plus que ça. Ok, bon, on va d'abord visiter la squelettique.
Mais évidemment, on a quoi là? Ah oui, ça. Hop, je vais le déplacer. Parce que même à distance, vous pouvez déplacer les trucs pour moi. C'est encore possible. Dans le jeu. Il faudrait vraiment que je vende ça. Parce que j'en ai beaucoup. Hop, un peu d'or. Hop. Hop. Et je vais... Cherche... Ah oui, le vaisseau. Voilà. On a vraiment beaucoup de... Hop là. Allez, c'est parti. Du coup, on va visiter cette planète. Et puis, je pense qu'on arrêtera la vidéo ici. Hein, pour ce premier nouveau épisode, on va dire. Depuis très longtemps. Hein, comme je dis, 2016. Maintenant, 2019, forcément. Voilà. J'espère que ce petit retour dans No Man's Sky va vous plaire, hein, bien évidemment. Ouais, j'avais arrêté aussi parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de regards dessus. Puis bon, bah, j'avais plus trop vraiment envie de le faire non plus. Parce que, bah, à la base, voilà, le jeu n'était pas vraiment génial. Hein. Il n'y a que maintenant qu'il est vraiment extrêmement bien comme jeu. C'est vrai qu'avant, il n'était pas vraiment hyper classe. Maintenant il est devenu hyper... Enfin c'est devenu vraiment le jeu quoi, vraiment très sympa. Il a très bien évolué graphiquement aussi, il a beaucoup évolué graphiquement. On peut voir l'intérieur du vaisseau est vraiment très très joli, même s'il n'y a pas d'animation sur la commande, on voit pas nos mains et tout ça, mais c'est assez sympa. Tout de même. Oula, ça fait flipper tout ça. Chose. Okay, c'est une planète squelettique, je vois vraiment, ouais, enfin, squelettique. J'arrive pas trop à voir en fait. C'est très étrange comme, comme arbre qu'on voit là, forcément. On dirait même, c'est même pas des arbres, on dirait des trucs électriques, quoi. Enfin des trucs genre montaux, je sais pas trop quoi. Très, très intéressant. Hop, j'avais un POI qui est apparu. Ah oui, ça va être un filon. Ah bah écoute, on va se mettre là. Alors, alerte environnement, puissance de l'anomalie, 49,1. C'est... Ok. Bug de limite. Très bien. Chaleur poupe. Sentinelle dispersée. Flore abondante. Faune nombreuse. Ah bon, il y a des animaux qui vivent là-dessus. Bien évidemment, c'est du scan... on doit scanner, hein, ça, ça ne va pas changer. Changer ça bien évidemment. Du cadmium. Ah tiens, génial, du minerai rouge. Ce minerai il est assez cher. Alors, je sais pas si j'en ai encore dans le cargo. Non, j'en ai plus parce que j'ai tout vendu. Il est assez cher comme comme minerai. Et là nous avons une curiosité là-bas. Bah, écoutez, je pense que ça va être un endroit sympa pour s'arrêter. Je vous promets pas que je vais reprendre à partir de là. Parce que je vais explorer de mon côté, bien évidemment. Mais... vous inquiétez pas, j'irai pas
sur le trou noir sans vous. Voilà. Il y a des animaux là-bas. Quel genre d'animaux il y a? Ah, ça c'est un animal. Tu vas me dire que ça, le bout de dole. Bon voilà, c'est un animal. C'est dangereux ça comme animal? On peut scanner. Ah si, on peut scanner ce truc là. Ce que le codex dit. Là aussi. Nous sommes sur... Ah, cette planète. Bon, maintenant, c'est ce qu'on a découvert. Il y a Benebus. La faune, c'est ça, en fait. C'est juste ça, en fait. Mais c'est rare. Bah, écoute, on va récupérer des nanites, tu sais. C'est toujours intéressant, hein. Donc, voilà. Il faut savoir que maintenant, vous gagnez des crédits quand vous découvrez... juste que vous découvrez. Et vous pouvez gagner des nanites si vous envoyez vos découvertes, si bien sûr ça n'a pas été découvert par d'autres joueurs. Les nanites qui sont là, qui se gagnent via ça finalement. Et donc voilà. Ben sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes de No Man's Sky, parce que là je pense qu'on va bien relancer ce jeu, je pense qu'on va bien s'amuser dessus. On va passer de bons moments dessus, on va visiter les trous noirs, on va faire bien sûr la quête Atlas, bien évidemment. Et ok, on gagne des... content. Là on va dire qu'on est un peu en exploration pour ce trou noir, voir ce que ça va nous faire, le trou noir, ce qu'on va gagner, et surtout est-ce qu'il faut le prendre, parce qu'on a quand même Atlas et qui est un peu en arrière quoi, donc forcément je sais pas trop, on va voir comment ça se passait. Du coup ça attaque ça, c'est vivant, ça attaque pas ça, ça fait bizarre comme chose, genre de... truc vivant là. Ah mais il y a tout qui est vivant, regardez, même la pierre qui est là. C'est quoi ça en fait? C'est de la pierre. Enracinement gravitationnel. Ah d'accord, c'est un truc gravitationnel. Ah j'ai pas vu qu'il y a un genre de truc qui sort là. Ouais, bah écoutez, très étrange, mais intéressant. Du coup, il y en a quoi là-bas? Structure de données ancienne. Ah, écoutez, on va aller voir ce que c'est cette structure de données ancienne. Et j'arrêterai la vidéo ici. Allez, c'est parti. On va dire pour la reprise, faire une vidéo un peu plus longue, pourquoi pas. Ça peut être intéressant tout de même, hein. Pour bien marquer la reprise de No Man's Sky en bon uniforme. Pourquoi pas faire une vidéo un peu plus longue. Alors après, dans les commentaires, vous me direz si vous voulez des vidéos longues sur No Man's Sky ou si vous voulez des vidéos courtes. Hein. Voilà. Alors courte, ce serait 30 minutes. Longue, ça serait peut-être une heure ou deux. Hein. Voilà, vous me dites. Et je regarde ce que je peux faire, bien évidemment. Envoyer une vidéo une heure ou deux, ça va faire un gros fichier à envoyer le week-end. Donc il y a des risques, mais pourquoi pas, je pourrais potentiellement essayer. Parce que bon, No Man's Sky, malheureusement, c'est un jeu qu'il faut streamer. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir streamer. Voilà. Merci la fibre que je n'ai pas. Et surtout merci pour tout simplement m'avoir complètement ignoré, avoir fait un U et m'avoir complètement évité, hein, pour mettre la fibre. Et ce sont des... ce sont ça en fait.
On a eu des données. Besoin des capsules de sauvetage contenant des améliorations pour donner un saisir dans un scanner signaux. Ah. Ah, mais c'est pour améliorer mon exo machin. Donc oui, alors dans le système de craft, vous avez les trucs portatifs. Voilà. Donc le truc du minage. Le truc de sauvetage. Et je dois avoir aussi ma... mon petit scanner. Non, je n'ai plus de scanner. D'accord. Bah, il faudra que j'en reconstruise un. Je peux peut-être le faire. Il me faut quoi d'autre après? Il me faut quoi d'autre? Nanocarbone. Alors, du nanocarbone. Voilà. Est-ce que j'ai encore assez de ferrite pour faire des... Ok, j'ai combien de ferrite en fait? Parce qu'il faut que je fasse attention, il faut que je refasse peut-être 161 et j'ai la ferrite. Ok, d'accord, très bien. Il faut que je fasse un peu le plein de ça. Ok. Voilà. Et voilà. Et du coup, si je... Je peux déchiffrer les trucs de coordonnées via capsule de sauvetage. Ou la coloniser des structures proches. Rien trouvé. D'accord, ok, super. J'ai utilisé ça pour rien du tout. C'est pas grave. En même temps, vu où je suis, ça m'étonnerait pas. Structure. Et est-ce qu'il y a des structures très proches? Qu'on fera bien sûr ensemble au pire. Une balise de détresse. Bon, une balise de détresse, c'est pas ce qui est très intéressant, mais bon. Ok. Bah, la balise de détresse, au pire, je la ferai tout seul. C'est pour avoir peut-être un vaisseau. Voilà. Donc, sur ce, maintenant que la nuit tombe, bah, sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et encore merci d'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous voulez des vidéos plus longues ou vidéos standard 30 minutes. Si je peux faire... ouais, 30 minutes. Ouais, de toute façon, on va voir quoi. De toute façon, je mettrai un chronomètre. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Et puis, j'espère que la petite reprise de Man's Sky vous intéressera. Allez, à très bientôt. Bye tout le monde. Et encore, merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à la chaîne, ça fera très plaisir. Et surtout, partager, c'est très important. Ça aide la chaîne et tout ça. Hein. Donc, voilà. Donc, merci à tous ceux qui le font. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye.